الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, aujourd'hui je vais m'adresser à tous les peuples. Je viens voir leur quotidien, leur réflexe, leur mode de pensée, leur argumentation, leurs envies, leurs désirs, leur déception, tout ce qui se rapporte à la vie humaine. Et maintenant, on puisse à donner la bonne direction pour les gens qui veulent bien finir leur vie ici-bas et bien être les vrais hôtes du paradis et non de l'ombre. Ce propos devrait être utile à ce propos-là, parce que ce que vous voyez en fond de maintenant dans le monde musulman n'est pas le vrai islam. Le vrai islam, il est vécu par une minorité et par public. On n'est pas encore réunis. Donc, faites quelque chose pour que vos vies soient bien à la page, ou bien il faut faire tout pour les remplacer par d'autres plus sérieux, plus humbles et plus doux. Parce que maintenant, ce qui caractérise vos présidents et vos rois, c'est l'arrogance, l'orgueil, l'agressivité et le mensonge. Donc, si vous voulez vraiment réaliser votre situation et assurer votre avenir dans l'ici-bas et dans l'au-delà, allez voir le vrai islam de ses origines, Coran, Hadith Qudsiyah et la tradition de Mohammed que la fille d'Allah soit sur lui. Par ce biais-là, vous serez peut-être des musulmans comme nous et mieux que nous, et vous serez des agents de reconstruction de ce monde, parce que vous ne pouvez plus tolérer cette hyperdose d'agressivité et de méchanceté et de satanisme. Quand vous continuez comme ça, jamais, c'est vraiment le vrai calcul, l'heure de l'examen de notre quotidien, de l'examen de notre vécu et de l'examen de notre passé. Pour voir par quels moyens nous serons plus utiles à nous-mêmes, plus doux envers nous et envers les autres, plus efficaces dans nos pratiques, qu'elles soient bénévoles ou non bénévoles. Donc, il n'y a pas un autre moyen sauf de s'adresser à Dieu, c'est lui qui écoute vos supplications, vos appels, lui seul peut vous donner le salut, vous pardonner et vous changer la vie dans le bon sens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.